Nous sommes en direct du Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe 2014. Je suis en présence d'Éric Dionne, directeur principal des ventes de Synagri. Bonjour. Il vient nous entretenir sur l'importance des journées producteurs ainsi que les journées innovation, la journée innovation 2014. En premier lieu, Éric, pourquoi Synagri fait de telles journées? Tu sais, Gabriel, dans le milieu des affaires où on est, il y a une différence entre une relation ponctuelle, exemple, quelqu'un qui va vendre un aspirateur, et une relation, une vente relationnelle. Donc, nous, on est du deuxième type. C'est que à chaque fin de saison, on doit retourner voir notre client et là, avoir notre bulletin. Donc, est-ce que tu as un bon résultat? Est-ce que les services, est-ce que le conseil, est-ce que les techniques, les nouveautés, les choses qu'on a fait essayer ont été profitables et on a pu voir un impact bénéfique pour l'entreprise. Donc, à partir de cela, on a un rôle aussi de... T'es en train de perdre ton... Perds pas tes sens, là. Reste avec moi, Gabriel. Reste avec moi. Donc, à partir de là, on a un rôle de formateur. Et, ce que vous savez, on a beau avoir les meilleurs produits du monde, s'ils sont mal utilisés, dans des conditions qui ne sont pas optimales, à ce moment-là, on n'aura pas les résultats escomptés. Et on ne peut pas demander aux producteurs d'aujourd'hui d'être la personne qui est la plus connaissante en sol, en chimie, en génétique, en mécanique, en électricité, en impôts. Donc, aujourd'hui, les entreprises doivent être des hommes d'affaires qui savent de quelle manière s'entourer. Et s'entourer de personnes qui ont des champs de compétences bien particuliers. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise agricole, c'est pas une ferme, c'est une entreprise agricole. Donc, notre rôle de formateur commence là. Parce qu'on va parler de compaction de sol, on va parler de profondeur de semis, on vend pas de décompacteur, on vend pas de semences. Mais par contre, on sait où placer la semence et quelles sont les conditions optimales pour aller chercher le maximum. Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu tous condamnés au succès. On a eu dans les deux dernières années d'excellents prix de récolte. C'était très bon. Le prix du maïs a eu des sommets records. Des records, oui. Et là, on pouvait se permettre d'être un peu inefficace parce que le prix compensait notre inefficacité. Aujourd'hui, les prix baissent un petit peu au niveau du maïs. Et là, on tombe dans des situations qui sont un petit peu comme celles qu'on a connues. Des prix un peu plus bas. Peut-être ça va remonter, mais pour l'instant, les prix sont un peu plus bas. Donc, on se doit d'être efficace. Donc, on est condamné au succès. Et les journées d'hiver, parce qu'il y a deux types. Hein? Exactement. La différence entre les deux types maintenant, c'est... C'est ça. C'est que les journées d'hiver, c'est une journée où on parle aux oreilles avec du matériel didactique. Et là, on explique les choses. Et les journées d'été, bien, c'est la démonstration de ça. Où on a des gens comme, prendre un exemple, Denis Lévesque, il arrive avec sa pelle, va creuser, va être capable de démontrer le développement racinaire, les couches de la boue, et là, d'expliquer qu'est-ce qu'un pédon, comment ça fonctionne. Alors, lorsque tu l'as entendu, tu l'assimiles et tu le vois, tu es capable de comprendre certaines actions, certaines choses que tu fais à la ferme qui peuvent être perfectionnées avec le temps. Donc, c'est un peu pour ça que Synagri n'est pas seulement une entreprise qui vend des intrants en disant que c'est les meilleurs, parce qu'il n'y a pas de compagnie qui a seulement que des meilleurs produits. Tous sont de bons produits. Il y en a qui ont encore des meilleurs produits que la compétition. Et c'est surtout dans la façon de les utiliser. Comment est-ce qu'on est accompagné pour utiliser ces produits-là? Et Synagri, en plus de ses produits d'excellente qualité, se spécialise dans la performance technique. OK. Donc, la journée, les journées qu'on parle producteur, c'est souvent une petite journée technique, un peu comme une classe. Expliquer comment améliorer certaines choses. Tandis que la journée qu'on appelle d'innovation, c'est beaucoup plus comment améliorer les techniques de performance à la ferme avec différents produits, en fin de compte. Exact. Donc, pendant l'hiver, il y a une espèce de caravane, si on veut, dont tu fais partie, Gabriel, comme spécialiste de la chimie, qui parcourt le Québec, l'Est de l'Ontario, qui parcourt tout le territoire dont Synagri couvre, et dépendamment des producteurs, parce qu'il y a des producteurs de pommes de terre, de grandes cultures, des légumes. Donc, peu importe le champ d'action où on va travailler, on fait de la formation appliquée à un groupe de personnes qui sont en entreprise du secteur, là, spécialisées. OK. Parfait.
C'est ça le rôle là, des journées de formation d'hiver. Puis la journée ou les journées. Des fois, on a vu des années que Sinegri a fait quelques années d'innovation, quelques journées d'innovation. Oui. En 2014, est-ce que c'est déterminé? Est-ce qu'on a une, plusieurs journées? En fait, en 2014, qu'est-ce qu'on a d'arrêté qu'on peut annoncer aujourd'hui? C'est dans le mois de juillet à Saint-Hyacinthe. Sur des terres qu'on loue à l'entreprise de Stéphane Rivard. OK, oui. Qui sont juste... Saint-Bernabé. C'est Saint-Bernabé? Saint-Bernabé-Sud. Exactement. Saint-Bernabé-Sud. Sur la 235. Donc, on a un site là qu'on est en train d'ailleurs de développer comme étant un site permanent de démonstration. Okay. Donc, il va y avoir de l'innovation, des choses qu'on amène de nouveau cette année. Et parce que... Vous savez, les programmes qu'on parle, 3-5 étoiles, il y a aussi l'aspect recherche qu'on fait. Exactement. Et pour ça, plus on est capable d'accumuler des données, donc le plus grand nombre de parcelles, aujourd'hui on parle de méta-analyse si on veut, donc c'est un grand mot pour dire plus tu as de parcelles, plus tu es capable de voir des tendances, donc plus tu as de données, plus tu es capable de t'enligner un petit peu là, dans le marché. Et l'avantage sur ce site-là, c'est qu'on a aussi ces parcelles-là qu'on peut montrer. Parce que souvent, on dirait, on a eu tant de recherches, tant d'essais, mais ils sont juste à côté là pour une partie, toujours. Là. Et la partie qui est plus frontissipée, c'est vraiment de la démonstration appliquée ponctuelle là, de certains aspects dont on a parlé dans l'hiver, qu'on veut démontrer là au printemps. Donc, la journée va avoir lieu... Oui, la date exacte n'est pas arrêtée encore parce que, vous savez, au printemps, les conditions étant ce qu'elles sont, on vit avec l'agriculture. Ouais, ouais. Donc, il faut arriver aussi à un moment où les plants ont un certain degré de maturité, ont un certain... si on veut démontrer quelque chose, il faut qu'on soit dans la bonne période. Oui, oui. Donc, oui. C'est difficile à ce temps-ci de l'année d'arrêter comme il faut la date précisément. Vers la fin juillet. Normalement, c'est en juillet là, qu'on en a une. Parfois, on en a deux. Mais là, cette année, là, on en a une et on verra là, pour le reste des choses. Là. Bon, ben merci, Éric. Ça fait plaisir, Gabriel. Il reste à avoir plusieurs professeurs pour venir nous voir. Ils sont invités en grand nombre. Merci. Merci.